Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon sabbat. Je vous prierai de prêter une oreille attentive aux annonces qui vont suivre. L'Église voulait vous annoncer le décès du père de la sœur Béanique Françoise, qui a perdu son père au pays. Nous souhaitons que l'Église puisse penser à elle et toute sa famille dans les prières et que Dieu puisse les fortifier durant ces moments difficiles. Je vais reprendre. L'Église souhaiterait annoncer à l'Assemblée le décès du père de la sœur Béanique Françoise au pays. Et nous vous prions de bien vouloir penser à eux, à elle et à toute sa famille dans vos prières, et que l'Éternel puisse les fortifier durant ces moments difficiles. Petit rappel, afin de préserver notre entente avec le voisinage, nous vous prions de ne pas stationner sur le parking du restaurant Le Mandarin. Aujourd'hui, sabbat 3 février, journée spéciale, journée du diaconat. Nous vous invitons donc de ce matin jusqu'à cet après-midi. Cet après-midi, vous êtes conviés à partir de 15h30 pour une après-midi spéciale autour du diaconat. Le sabbat 10 février, nous avons une journée spéciale avec pour thème « Femme, révèle-toi ». Et nous avons un programme tout particulier avec un petit déjeuner à partir de 8h30. C'est vrai que ce sera un message orienté vers les femmes, mais vous, les hommes aussi, vous êtes invités, toute l'Église est invitée, et je vais inviter la sœur Samantha à me rejoindre. Merci Déborah. Donc effectivement, le thème de la journée sera « Femme, révèle-toi », mais tout ce qui sera dit sera destiné aussi bien aux femmes qu'aux hommes et aussi aux enfants. Donc, ce sera une journée complète, mais bien entendu, je vous invite à prêter une oreille attentive parce que tout ne sera pas obligatoire. Dès 8h30, il y aura un accueil et un petit déjeuner offert à tous ceux qui le désirent. Tout le monde n'est pas obligé de partir tôt de chez soi. Ceux qui ont pour habitude de déjeuner seuls pourront justement venir partager à l'église un moment convivial dès 8h30. L'école du sabbat sera à 9h comme d'habitude et à 13h, nous aurons un temps de louange et de prière encore une fois pour ceux qui le veulent. Ceux qui veulent d'ailleurs jeûner ce jour-là pourront le faire parce que la journée sera en continu. Et de 13h à 15h, nous prierons et nous louerons ensemble sous l'assistance du département famille. À 15h30, nous aurons un temps de réflexion avec notre sœur Coralie, qui est psychologue. Et comme Maurice vous l'a dit tout à l'heure, en fin de journée, la librairie sera ouverte. Donc voilà, ce sera une journée spéciale. Chacun est libre de l'organiser comme il le souhaite. Mais en tout cas, nous serons là dès 8h30. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment lire? Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment lire? Le ministère de la publication, dans la continuité de la journée du 10 février, vous invite à partir de 18h dans la salle annexe pour une vente de livres que vous pouvez prendre pour vous, pour des voisins, pour des amis. Et notre sœur Samantha aussi vous présentera un livre qu'elle a récemment publié. Donc venez nombreux, tous les amoureux du livre, soyez présents. Département JA. Les Esplos vous invitent à une sortie patinoire le samedi 17 février au soir à partir de 18h30. Ce sera à l'Arena Zach, à Cergy, pardon. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient y participer, vous avez pour obligation de vous rapprocher du frère Élisée de Foix avant le 10 février, afin de voir avec lui les différentes modalités, pour pouvoir vous inscrire et être sûr d'avoir tout le nécessaire pour cette soirée patinoire.
département GIA, la soirée... Nous avons une soirée jeu prévue pour le 24-02 et je vais laisser Stacy vous en dire plus. Bonjour à tous. C'est la soirée jeu, donc dans ma tête c'était... Donc bonjour à tous. On est très heureux de vous inviter avec les JIA à une soirée jeu. Donc c'est comme d'habitude à la salle des Touleuses à partir de 18h45. La petite nouveauté, on va dire, c'est qu'on a... On va vous distribuer en fait des petits feuillets avec des précommandes. Comme ça, durant la soirée jeu, comme d'habitude, on vend des snacks. Mais pour pouvoir vous, bien vous servir et être sûr d'avoir suffisamment pour tout le monde, on vous propose des petits feuillets. Donc, on va en distribuer un par famille. Donc, on vous laisse le compléter, le mettre dans la boîte donc, jusqu'au samedi prochain. Peut-être qu'on étendra, mais pour l'instant, c'est jusqu'à samedi prochain. Comme ça, nous, ça nous permettra de faire nos achats et de pouvoir ben, passer un bon moment et que tout le monde puisse avoir ce qu'il a envie d'avoir. Donc, on compte vraiment sur vous pour cette soirée. Dans la boîte, il faut juste mettre la commande avec le nom de la famille. Est-ce que vous commandez, mais pas le montant. Le paiement, c'est uniquement pendant la soirée, après 18h45. Quoi. On n'accepte pas de paiement à l'avance, mais c'est juste pour qu'on puisse savoir un peu qu'est-ce qu'on doit acheter, quelle quantité pour pouvoir être au plus juste. Et après, s'il y a des personnes d'autres églises qui veulent venir, ceux qui nous regardent sur YouTube, admettons, ben, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir quand même. Il y aura suffisamment pour tout le monde. C'est juste pour faire une estimation. Donc même si vous n'avez pas rempli le feuillet et que le jour de la soirée, vous voulez commander quelque chose, n'hésitez pas, ce sera possible. Donc on compte vraiment sur vous pour passer une bonne soirée ensemble. On a prévu plein de jeux, des jeux en groupe. Vraiment, ce sera comme une grande soirée récréative, tous ensemble. Donc s'il y a des personnes qui, le 24... souhaitent se joindre à nous, n'hésitez pas, c'est vraiment pas que pour Puiseux, c'est pour tout le monde, donc n'hésitez pas à inviter tous vos amis. Et on vous souhaite un bon sabbat. Merci. Annonce fédérale. Le département MIFM-FFN organise une... Pardon, excusez-moi. Juste, la permanence est assurée aujourd'hui par Zoé et Francine. Annonce fédérale. Le département MIFM-FFN organise une semaine de prière pour tous avec pour thème « Mon enfant, sois sans crainte ». Cette semaine de prière elle sera chapeautée par le pasteur Karine Éloidin et différents thèmes seront abordés, notamment la détermination, la peur, etc. Et nous vous donnons rendez-vous à partir de demain 4 février jusqu'au 9 et sur le Zoom qui s'affiche derrière moi. Mais vous pouvez vous rapprocher de la communication pour avoir le Zoom pour les personnes qui souhaitent participer à cette semaine de prière. Nous avons un webinaire LabCom qui est organisé demain, dimanche 4 février, à partir de 10h, avec pour thème « Comment partager son histoire ?» pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre à écrire, et etc., publier. N'hésitez pas à vous connecter sur le Zoom affiché derrière moi. Vous pouvez aussi vous rapprocher de l'équipe communication pour l'avoir. Et nous vous laissons avec ce verset qui nous dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5, verset 9. Bon sabbat.
Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais ce matin d'être dans ta maison. Puisses-tu, Seigneur, nous pardonner nos fautes, nos manquements et les péchés que nous ignorons. Puisses-tu, Seigneur, nous aider afin que nous puissions être... Puisses-tu, Seigneur, bénir chacun de nous ici. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous. Alors, en ce sabbat matin, nous aimerions glorifier Dieu, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. La semaine, elle n'a pas été forcément facile pour tout le monde. Elle a peut-être été aussi éprouvante, mais grâce à lui, nous sommes ici et nous voulons l'adorer et nous en sommes aussi très reconnaissants. Ésaïe 30, verset 15 nous dit: car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Même dans les difficultés, nous puisons notre force en Jésus-Christ et nous élevons nos voix vers lui pour l'adorer. Nous allons commencer ce moment de louange avec le j'aime 300, vers toi Seigneur. Il y aura une petite nouveauté que vous pourrez écouter à la fin. J'aime 615, dites-le fort, entendez tous l'appel adorer l'Éternel. Je
Je remercie Dieu pour ça. Nous allons poursuivre avec le J'aime 871, Majesté. Je vous prierai de vous mettre debout pour ce dernier chant. Je n'ai rien à moi, mais
toi je vis. Bonjour à tous. Vous pouvez vous asseoir. On l'appelle Jéhovah. On l'appelle Yahvé. On l'appelle Jiré, ma providence. On l'appelle Adonai. On l'appelle Éternel, Dieu des armées. On l'appelle celui qui pourvoit, celui qui me guérit. Et ce verset dans Psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » On le dit souvent, mais j'ai l'impression que des fois on ne comprend pas tout son sens. Un berger, lorsque une de ses brebis est égarée, il met les autres de côté et s'en va chercher celle qui est égarée. Lorsqu'elle est blessée, il prend soin d'elle, il la soigne. Lorsqu'elle a faim et la soif, il pourvoit à ses besoins physiques. Et ce matin, l'Éternel vous dit, je suis là, Emmanuel est là et il prend soin de vous. Il vous dit, bienvenue, je suis là, je vous entoure de mes bras forts et puissants. Je suis le calme dans votre tempête et peu importe ce qui se passe actuellement dans votre vie, sachez que je suis l'Éternel, je suis Dieu et je fais toutes bonnes choses en mon temps. Soyez les bienvenus. Bon sabbat.
Le chant que je vais jouer s'appelle Ta grâce. C'est par ta grâce que je suis pardonnée. C'est par ta grâce que je suis sauvée. Donc c'est un chant pour Dieu. Je vous invite à prendre avec moi le texte suivant qui se trouve dans Ésaïe 43, le verset 25. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. En fait, quelle que soit l'importance de notre péché, Dieu est toujours prêt à nous pardonner par le sang de Jésus. Cela nous procure la paix du cœur, mais nous conduit aussi à pardonner à notre tour à ceux qui nous ont pardonnés. Nous avons chanté tout à l'heure « Je pardonne en retour ». Comme toi, tu me pardonnes. Je vous invite à prier. Vous allez prendre la position qui vous correspond, qui est plus adaptée pour vous, et nous allons invoquer le Seigneur. Prions. Oui, Père, nous sommes venus en ce jour pour te dire tout notre amour pour toi, toute notre reconnaissance, Seigneur, pour toi, car nous ne pouvons compter les bienfaits que tu manifestes envers chacun de nous, Seigneur. Si nous nous asseyons et que nous les comptons, cela dépassera le temps que nous avons besoin pour le faire, Seigneur. Et je te loue et je te remercie parce que je sais que chacun de nous qui sommes ici, même si la semaine a été difficile, les jours sont durs, les événements se déroulent et nous avons quelquefois besoin d'être réconfortés, nous ne le ressentons pas. Mais nous savons, Seigneur, même si elle est invisible, ta main est posée sur nous. Et tu nous accompagnes à chaque instant, Seigneur. Un jour, peut-être, nous le dirons. Oui, Seigneur, par moments, nous avons senti que nous étions portés. Et nous ne savons comment nous avons avancé. Mais c'est toi qui étais à nos côtés. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, Seigneur. Et merci encore. Peut-être encore que certains se sentent encore fatigués. D'autres qui ne sont pas présents ici se sentent aussi peut-être éprouvés, démoralisés. Mais Seigneur, tu nous as promis. Et tes promesses, elles ne sont pas vaines.
elles sont sûres, elles sont certaines, elles se réalisent parce que rien de ce que tu as dit ne remonte vers toi sans avoir été accompli. Tu nous as dit « Demandez et vous recevrez ». Oui, confiez-vous en moi. Oui, j'agirai pour vous, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous aimes et tu agis à chaque instant pour chacun de nous. Merci pour tout ce que tu fais. Mais nous voudrions aussi te dire pardon parce que nous t'avons certainement, et je le crois, attristé. Pardon, Seigneur, pour nos fautes, nos transgressions. Lave-nous, purifie nos cœurs entêtés, Seigneur, qui quelquefois avons toujours ces doutes, ces questionnements. Mais Seigneur, tu es le Dieu d'amour. Tu es celui qui est à l'écoute, celui qui ne dort pas, celui qui est éveillé et qui prend patience avec chacun de nous. Pardonne-nous et fortifie-nous, que notre cheminement se fasse avec toi dans la paix, Seigneur, et que nos cœurs soient remplis de joie. Je te prie, Seigneur, pour ce moment que tu nous accordes de pouvoir te louer et de t'adorer, mais aussi pour Lucette, à qui tu as confié ce message qui va toucher aussi nos cœurs. Mais Seigneur, tu as besoin qu'on parle de toi. Tu as besoin, Seigneur, qu'on révèle ce que tu nous révèles, Seigneur, alors que ton Esprit Saint soit avec elle et qu'elle puisse parler en ton nom et que tout ce qu'elle dira soit édifiant pour chacun de nous. Nous t'avons aussi apporté notre reconnaissance, nos offrandes, nos dîmes. Mais Seigneur, que tu puisses toi-même œuvrer pour que tout soit fait pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Que ce soit ici, que ce soit loin, mais Seigneur, tous nous avons besoin de connaître que tu es le Dieu de la terre, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et que bientôt un jour, tu te révéleras à chacun de nous. Conduis-nous, garde-nous en ce beau jour de sabbat et guide-nous en ta paix. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Juge 2, verset 10 nous dit « Ensuite, les gens de sa génération vont rejoindre leurs ancêtres. » Vont rejoindre leurs ancêtres. La nouvelle génération qui vient après eux ne connaît pas le Seigneur ni ses actions en faveur du peuple d'Israël. Le livre des juges contient certains des récits les plus surprenants de la Bible. À de nombreuses reprises, il est dit « À cette époque, chacun fait ce qui lui plaît. Loin d'agir selon les lois de Dieu pour former une bonne société, il faisait ce qu'il voulait. Ce livre est un véritable défi pour tous ceux qui ont fait l'expérience de Dieu dans leur vie. Eux et leurs enfants ont choisi de servir Dieu, mais la troisième génération le rejette. Chaque personne a besoin de faire l'expérience de Dieu dans sa vie. Il est important pour les croyants de continuer à partager leurs expériences avec Dieu, de guider les plus jeunes dans la foi, de prier pour eux et d'aider d'autres à découvrir Dieu. J'invite donc le diacre et la diaconesse à passer dans les rangs afin de recueillir les dîmes et les offrandes.
n'achète pas Dieu. Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pour nous, quelle joie de savoir cela. Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Bonjour les enfants, ça va? Tu t'appelles comment? Elena. Kariane. Bonjour les adultes. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous raconter l'histoire des enfants aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Michel. Ça va? Donc l'histoire se trouve dans la Bible. Vous connaissez Jaché? Vous avez entendu parler? Non? Donc c'était un homme, il était républicain. Vous savez qui? Républicain. Oui, la politique, excusez-moi. Donc républicain, lui, il était collecteur de pots. Un peu comme, à peu près comme Tati Rachel. Nous, les diacres, on récupère les offrandes, les dîmes, et puis on donne à Rachel, Tati Rachel, elle rassemble tout ça, elle compte, et puis après, elle ramène ça à la banque, etc. Donc lui, ce monsieur, il faisait pareil. D'accord? Et que, ben, par contre, lui, il était de petite taille. Il n'était pas trop grand. Il a entendu parler certainement de Jésus. Il voulait absolument voir Jésus. Alors, un jour, il a entendu parler, enfin Jésus lui-même, il savait, il est puissant, il sait que de quoi on pense nous, ce qu'on veut. Donc il savait que cette personne, il y a quelqu'un qui souhaitait le voir. Alors, un jour, il est entré dans la ville de Jéricho. Ça c'est ma petite fille, comme papa, papy. Donc, il a entendu, Jésus, quand il passe dans les villes, il y a beaucoup de la foule, tout le monde veut voir Jésus. Alors, dans la ville où il est entré, à Jéricho, de chez lui, il entendait, qu'est-ce qui se passe? Il est sorti. Et tout d'un coup, il a vu une grande foule, beaucoup de personnes qui voulaient voir Jésus. Il entendait aussi certainement Jésus. Donc, il a dit, aujourd'hui, j'entends parler de Jésus, mais je vais peut-être le voir aujourd'hui. En arrivant près de dans la ville, il ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il y avait... Pourquoi? Il était de petite taille, donc il y avait beaucoup de monde. Alors qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a tourné autour. Il s'est dit, comment je vais faire? Je vais voir Jésus, les gens sont grands, je ne peux pas voir Jésus, comment je ferai? Et vous, tu allais faire comment, toi, pour voir Jésus? Si tu voulais voir Jésus, tu vas... Pour prier. Oui, mais tu veux le voir, il passe, et toi tu es petit, tu peux pas le voir, comment tu vas faire? Je sais pas. Mais lui, ce qu'il a fait,
Il s'est retourné, il est allé devant, derrière, il réfléchissait, comment je veux voir Jésus? Absolument, je veux voir qui c'est cette personne. J'ai entendu parler, mais je ne sais pas qui. Tout d'un coup, il voit un arbre. C'était un sycomore. Donc, il a grimpé à l'arbre. À peu près l'image que vous voyez devant. Vous voyez l'image là, les enfants? Vous avez vu? C'est Jacques, il a grimpé à l'arbre. Et là, il s'est dit, bon, maintenant, je pourrais voir Jésus tranquille, je suis en hauteur, tranquille, il n'y a pas de souci, pas de problème. Effectivement, il le voyait d'en bas, Jésus. Et puis, voilà, assieds-toi là. Alors, il s'est mis en hauteur et puis il a vu Jésus. Là, bon, il a dit, bon, en tout cas, bien, j'ai vu Jésus, il n'y a pas de souci, bon, mais je peux y aller. Ah, Jésus, exactement là où il était, sous l'arbre, Jésus passait par là. Et Jésus, tout d'un coup, il se lève la tête. Il voit Jacques. Il dit, oh, Jacques, il faut que je mange chez toi aujourd'hui. Je viens chez toi aujourd'hui pour certainement pour parler, pour discuter, pour manger aussi. Donc, il est arrivé, Jésus, il est descendu. Il est descendu de l'arbre. Et puis, ils se sont fait connaissance ensemble. Ils discutaient ensemble. Et de plein de choses, il papotait. Allô? Ça va? Tu comptes? En marchant, ça prenait connaissance avec Jésus, Jachée, il racontait sa vie, certainement. Mais les gens qui étaient derrière, la foule, certainement, ils disaient que, mais il ne sait pas qui il est, ce monsieur. S'il savait qui était Jachée, il ne serait pas marché avec lui, hein, parce que lui, les épaules, il nous pique les sous et tout, etc. Donc, il ne peut pas marcher avec cette personne. Mais Jésus le connaissait, il savait qui il était. Et en arrivant à la maison, il s'est présenté, il a installé Jésus, il a dit à Jésus, écoute, moi, s'il y a des choses que il a dit que je donne à mes biens aux personnes qui m'entourent, je donne l'argent, je les aide. Et s'il y a quelqu'un que j'ai fait du mal ou quoi que ce soit la chose, je donne beaucoup plus. Et Jésus, il écoute, il entend ce qu'il dit. Après, il a dit que, ce que tu as fait, tu as bien fait, aujourd'hui, tu es un enfant d'Abraham. Le salut est entré chez toi aujourd'hui. Donc, rappelez-vous ça, les enfants. Partout où on est, que ce soit à l'endroit où nous sommes, Jésus, il nous entend, il nous écoute. Hello? Ça va? Bien? D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Donc, la morale de cette histoire, ce qu'il faut retenir, les enfants, c'est que Jésus, partout où nous sommes, il nous entend. Il nous écoute et il vient à notre secours. D'accord? Amen. Vous connaissez Tati Lucette? Tati Lucette, vous connaissez Tati Lucette? Tati Lucette, elle est là. C'est elle, Tati Lucette. Elle va parler aujourd'hui de Dieu. Qui c'est qui veut prier? On prie ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette belle matinée, Seigneur, que tu nous accordes. Et bénis nous tous qui sommes présents et permets que cette journée soit agréable et que nous t'invitons, Seigneur, à rester avec nous et que ton nom soit glorifié. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci. Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.
Chers frères et sœurs, je vous invite à vous tenir debout pour la lecture biblique dans Romains 12, versets 9, 10, 11 et 13. Je répète, Romains 12, versets 9, 10, 11 et 13. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Nous allons entonner la première strophe de « Conduis-moi ». L'équipe du diaconat de la mandature 2023 à 2025, ayant répondu à l'appel et voulant se mettre au service de Dieu ainsi que de notre communauté, à se présenter à vous. Je m'appelle Aristide Lucette, je suis la première diaconesse. Jean-Michel, premier diacre. Aristide Rousseau, diacre en formation. François Yukendi, diacre. Marc-Pierre Saint, diaconesse. Myriam Ali, diaconesse. Thaïs Piriatanville, j'y ai rattaché. Erin Irina Ndjianzafi, je suis honorée de servir le Seigneur. Merci, Pastor Masson. Adine Yaniel, j'y ai rattaché. Aristide Tabita, j'y ai rattaché. Océane rattaché, j'y ai. Je m'appelle Candice et je suis jeune rattachée. Je m'appelle Axel et je suis diacre en formation. C'est Claudie Bitor, diaconesse consacrée. Bruno Ali, diacre consacré. Madiel Adzini, j'y ai rattaché. Déborah Bicataria, diaconesse en formation. François Ulrich Zack. Conseil Jean-Marc, diacre consacré. Nathanaël Ali, diacre consacré. Oscar Arnel et diacre en formation. Balza Darius, diacre.
OK. Bon, c'était pas prévu. Bon, alors je suis l'ancien Graziella Juravert, je suis l'ancien référent pour le diaconat. Donc du coup, voilà, je travaille surtout avec Lucette et Jean-Michel, première diaconesse. Voilà, donc du coup, effectivement, c'est une belle équipe et c'est merveilleux d'avoir autant de personnes qui veulent servir le Seigneur, pas seulement dans ce qu'on a l'habitude de voir et de croire, mais au-delà même de tout ce qui a été lu. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne et soyez forts en Jésus-Christ. Bonjour à tous. Vous avez compris, aujourd'hui c'est la journée du diaconat. Et à cet effet, c'est moi qui vais faire la prise de parole. À bien des égards, la culture occidentale moderne est une expérience d'inversion des vertus, des valeurs. Les valeurs du passé ont désormais tendance à être vues comme des vices. Inversement, les vices d'autrefois sont aujourd'hui appelés vertus. Certains changements, bien sûr, ont apporté énormément de bien. Les groupes historiquement opprimés et défavorisés, les femmes par exemple, ont obtenu des droits qu'on leur refusait depuis longtemps. Gloire à Dieu pour cela. Certains changements, bien sûr, néanmoins, tous les changements culturels n'ont pas été positifs. Prenez par exemple le renoncement à soi. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, il était généralement considéré comme une vertu. On sacrifie ses propres désirs pour le bien de sa famille, de sa nation. En occidental moderne, pourtant, l'idée d'étouffer ses propres désirs pour qui que ce soit, même pour la famille, même pour des pères, est souvent considérée comme naïve ou rétrograde, voire comme une hérésie culturelle. Sois toi-même et fais ce qui te plaît n'est plus une marque d'égoïsme, mais de bien-être. Il s'avère compliqué de renoncer à soi et d'être à la fois soi-même. Vous me direz, qu'est-ce que cette mini-analyse de la période culturelle dans laquelle nous nous trouvons a à voir avec les diacres ? Tout, puisque le cœur de leur travail consiste à servir de manière sacrificielle pour le bien des autres. Alors que le monde crie, impose-toi. Un diacre plein de zèle pour Dieu cherche à renoncer à lui-même. Alors que le monde lui dit, sers tes propres désirs, le diacre réfléchit à des façons de servir les autres. Et alors que l'univers omniprésent des réseaux sociaux lui répète, mets-toi en avant, le diacre travaille dans l'ombre pour que d'autres remportent des victoires. On ne peut pas dire que les cultures traditionnelles étaient moralement irréprochables jusqu'à ce que l'individualisme éhonté vienne tout gâcher. Paul souligne un point essentiel. Il sait à quel point le diaconat requiert une bonne dose de courage. Le travail tend à être ingrat, fastidieux et invisible. Qu'est-ce qui pourrait pousser un diacre à ne pas abandonner lorsqu'il est épuisé et découragé? Cette promesse. Car ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une
une situation respectée et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. 1 Timothée 3, verset 13. Un diacre fidèle recevra deux cadeaux en abondance, le respect et le courage. Le premier est un cadeau horizontal que lui fait l'Église. Le deuxième lui vient verticalement de Dieu. Au vu du travail fastidieux du diaconat, ne trouvez-vous pas cette promesse d'être respecté particulièrement belle? En attendant, l'appel de Paul dans Galates 6, verset 9, s'applique à chaque diacre. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Les diacres de votre Église se sont-ils respectés? Savent-ils à quel point vous appréciez leur service? Alors, passez-lui un coup de fil, offrez-lui un petit présent. Proposez-lui de vous occuper de ses enfants. Envoyez-lui un courriel. Mettez un peu de vent dans ses voiles. Combien est agréable une parole dite à propos, nous dit Proverbe 15, verset 23. De tels encouragements sont bons pour le troupeau et pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons prendre la deuxième strophe du chant « Conduis-moi ». Nous allons prendre tout le chant. De se décider quand la route m'est inconnue, les chemins sont incertains, mais j'avance par la foi, car tu m'as fait.
Seigneur, tu nous as appelés et nous avons dit oui. Aide-nous, Seigneur, dans notre service. Puisses-tu, Seigneur, nous donner la force, ta force, pour te servir. Garde-nous, protège-nous, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. C'est vrai que nous avons tous été appelés à un ministère. Et ce ministère, nous ne l'avons pas décidé par nous-mêmes. Dans notre cœur, nous avons tous senti l'appel de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit ceci, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que tout ce que nous faisons, que nous puissions le faire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allons en paix. Amen. Cet après-midi, vous avez eu l'annonce ce matin. Nous avons effectivement, le diaconat va se retrouver puisque c'est la journée du diaconat. Alors, à partir de 15h30. Alors, ce n'est pas que pour les membres du diaconat, c'est pour toute l'Église. Alors, soyez nombreux. Merci. Toi j'espère encore. Quand ton nom est impossible, tu m'as montré ta force. Sous les montagnes, je déclare que c'est
Père qui comprend.